Et voilà, rebonjour mes chers amis. Nous allons maintenant faire la séance de sophrologie dynamique dont je viens de faire l'explication. Maintenant, nous allons faire la vraie séance. Perdons pas notre temps. Mettons-nous debout, bien dans notre verticalité. Fermons les yeux. Et préparons-nous pour la séance de sophrologie que nous avons décidé de nous offrir ici et maintenant. Nous pouvons nous aider par la respiration. Calme et juste. Nous allons garder les yeux fermés pendant tout le long de la séance. Et pour bien nous mettre en disponibilité physique et mentale, nous allons commencer notre séance par faire quelques mouvements et étirements libres au choix. Faisons ces quelques mouvements entièrement libres. Préparons-nous bien pour notre séance de sophrologie. Mettons-nous en disponibilité jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Ensuite, quand c'est bon pour nous, nous allons nous asseoir sur notre siège. Nous installons bien confortablement sur notre siège et nous allons prendre conscience des points de contact de notre corps avec le sol et notre siège. Les pieds sur le sol bien plat, les cuisses, les fesses, le dos sur notre siège, les bras bien relâchés et les mains sur nos genoux. Écoutons notre respiration. Pendant quelques instants, et commençons notre toilette énergétique en nous massant les mains. Sentons que nos mains se touchent pour la première fois et activons bien nos deux mains. Prenons-nous en main. Massons de l'intérieur ainsi que de l'extérieur les doigts d'une main, les intervalles entre les doigts, ensuite les doigts de l'autre main avec les intervalles entre les doigts. Et quand c'est bon pour nous, nous allons faire une pause et une prise de conscience des modifications sensorielles au niveau de nos deux mains comme nous venons d'activer. Que se passe-t-il? Que ressentons-nous? Quelles sont les sensations qui nous font du bien? Sentons et accueillons. Toujours en écoutant notre respiration. Et quand c'est bon pour nous, nous allons faire un massage de nos deux oreilles. Écoutons nos oreilles.
et relax, détente, prise de conscience des modifications sensorielles au niveau de nos deux oreilles. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Quelles sont les sensations que nous avons envie de garder avec nous pendant et après la séance pour les heures et les jours qui viennent? Sentons la détente dans notre corps. Et puis, massage ou tapotement du cuir chevelu avec ou sans les mains sur les oreilles. Faisons ce qui nous fait du bien ici et maintenant. Activons bien notre cuir chevelu. Et puis, sentons et accueillons les sensations au niveau du cuir chevelu que nous venons d'activer. Après cette petite pause, nous continuons en nous massant les mains et nous commençons par le front, ensuite les tempes, les yeux et autour des yeux, le nez, sentons la forme de notre nez, les joues, les mâchoires, la bouche et autour de notre bouche, ainsi que le menton. Prenons notre temps et insistons sur les parties qui nous font particulièrement du bien. Et de nouveau pause. Et prise de conscience de la vivance au niveau de notre visage. Que ressentons-nous? Ensuite, nous nous massons le cou. La nuque, et les épaules, en prenant notre temps et en veillant toujours de nous faire du bien. D'abord une épaule et puis l'autre. Et pause. Relax, prise de conscience des modifications sensorielles dans ces parties que nous venons d'activer ou ailleurs dans notre corps, dans les parties que nous avons déjà activées ou dans celles laissées toujours au repos. Quand c'est bon pour nous, nous allons faire un massage de nos deux bras. D'abord un et puis l'autre. Massage ou tapotement, pétrissement ou autre mouvement qui nous fait du bien au moment présent, ici et maintenant.
en prenant notre temps et en veillant toujours de nous faire du bien. Avant de faire une pause et une prise de conscience de nouveau. Ensuite, massons-nous les jambes. Massage ou tapotement ou autre mouvement qui nous fait du bien. Les yeux sont toujours bien fermés. Nous massons les cuisses, les genoux, les mollets, la cheville et les pieds. Si nous n'avons pas de possibilité de nous masser les pieds, si nous avons des chaussures, nous activons nos pieds dans nos chaussures. Soyons attentifs de ne pas banaliser ce massage de nos deux pieds si nous avons la possibilité. Massons bien le pied, les doigts, les orteils, le dessus de nos pieds, la plante et le talon. Et puis,